bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se fait une petite sortie en open canoë avec les potes du forum Nature Bootcraft. Donc avec MVM et Super DD. Donc on est sur la scarpe inférieure. Donc toujours dans le nord de la France. Donc sur une de ses plus belles parties de la scarpe inférieure. Donc devant moi vous avez à l'avant Super DD et à l'arrière Mugno Van Moren. Donc on pagayait tranquillement sur des eaux calmes. On a un peu de vent de travers. C'est un peu gênant, mais bon, c'est pas non plus rédhibitoire. Bon, aujourd'hui, on a choisi la date il y a très longtemps. On a choisi la date en tout début d'année. Je crois que c'était en janvier qu'on s'est fixé sur la date. Et aujourd'hui, c'est également le salon de la moto. Donc il y a beaucoup de motos, salon de la moto à Pécancourt. Donc on entend beaucoup de motos loin. Voilà, donc une sortie à la journée avec un bivouac ce soir. On va essayer de les rattraper. Ça va les gars, ça se passe bien? Super. Ouais, je vois ça. Il est facétieux ce loin. Ouais. Bon, j'ai pas filmé le pique-nique de ce midi parce que en fait on s'est posé un peu misérablement. On a réussi à se trouver un peu abrité du vent, c'est déjà ça. On a monté un poncho vite fait pour manger vite fait, plus ou moins à l'abri de la pluie. Donc on avait autre chose à faire que malheureusement, on était 10 ans, on avait pas mal de choses à faire plutôt que de filmer. Donc, promener un peu sur les berges et puis après on est reparti, mais le temps est pas top malgré ce qui avait été prévu. On nous avait annoncé tout au moins une accalmie aujourd'hui, mais non, il pleut et puis bon, le vent faiblit à peine. Je sais pas si l'après-midi sera meilleur. Bon, toujours autant de plaisir, même si c'est vrai que sous bon temps c'est pas mal non plus quoi. On continue. Là on arrive à l'endroit où je voulais embarquer ce matin, mais on a changé un peu de plan. C'est-à-dire qu'on a embarqué beaucoup plus en aval, environ 5 km d'ici. Et donc ça nous a permis en fait de parcourir cette portion qu'on devait faire l'après-midi, on la parcourt ce matin, même si après on va faire demi-tour pour retrouver le lieu de bivouac. Bon allez, à tout à l'heure. Bon voilà, le temps s'est calmé pour cet après-midi. En tout cas, plus de pluie, beaucoup moins de vent. En tout cas, bon, on l'a dans le dos, donc c'est beaucoup plus agréable aussi. Là, on est dans le sens du courant. Tout à l'heure, on était en train de remonter le courant, donc c'est plus compliqué. Donc là, d'ici,
pense qu'un quart d'heure, 20 minutes, on va arriver sur le site du bivouac. Donc devant, il y a DJ et Laurent, enfin Super DD et Mounio Van Moren qui ont repris leur place initiale, à savoir Mounio à l'arrière, DJ devant. On va essayer de choper des rhizomes de massette pour agrémenter le repas de ce soir. Enfin, tout au moins pour essayer. On va essayer de voir ça, quoi. Bon, maintenant je vais aller les rejoindre parce que s'ils dépassent le lieu de bivouac, parce qu'ils ne savent pas où c'est, ils vont m'en vouloir. À la limite, arriver là, ça sera peut-être plus simple. Ouais. Bien le grand écart. Joli. Attends, on va sortir les bonhommes, les bons hommes. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Fais gaffe, t'as perdu ton bonnet. Donc, par contre, tu vois au niveau là. Tu l'as mis à 40. Non. Là, ici. Là, c'est un champ, on peut pas se mettre là. On va se mettre dans un champ. On s'est enfin posé. C'est la fin de la journée. On a monté le camp. Cette nuit, on pourrait tous se réfugier, sinon on pense faire la soirée sous le tarp de DJ, là, qui est bloqué avec le guide. Le guide, c'est le canoë. Voilà, quoi, superbe lumière. Et là, on est tous à l'atelier bois.
Moi, je fais une petite pause pour filmer, pour vous montrer tout ça. Allez, je m'y remets. À plus.